Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un petit message aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous passez une agréable semaine. Donc écoutez, on va voir ensemble de quoi cela va parler. Hein. Si ce message résonne avec vous, je serai très heureuse pour vous. Si ce n'est pas le cas, écoutez, ce sera peut-être le cas une prochaine fois. En tout cas, ceci est un message intemporel. Allez, c'est parti. Voyons voir de quoi aujourd'hui l'on souhaite vous parler. Quel est le message que l'on souhaite vous transmettre. Alors, je vais déjà tirer 3-4 premières énergies hein, pour voir. Et puis, ensuite, nous irons développer. Oups. Ok. Bon, alors ici. Bah écoutez, on parle de rencontre hein, ici entre un homme et une femme. De rencontre en face à face, de rencontre où il y aura des communications et où l'on se projettera sur, bah voilà, sur le fait de mettre certains objectifs en place ici entre vous et cet homme ou vous et cette femme, messieurs. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui est prêt à se mettre en place. Hein. Ici, on crée. Hein. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées. De toute façon, il y a une forte envie ici de s'associer, de s'associer, de s'unir hein, par rapport à un objectif, un projet que voilà hein, qu'on va mettre en place hein, suite à cette rencontre, à ces communications qu'il y aura entre vous. En tout cas, par rapport à cette rencontre, on est sur une rencontre extrêmement équilibrée, d'accord hein, un très très bel équilibre ici entre l'énergie yin et l'énergie yang, d'accord. J'ai deux personnes qui sont dans une très belle fluidité, qui sont dans une belle concordance et qui sont en combatif l'un et l'autre. Hein, et puis ici, c'est le fait de travailler main dans la main. Hein. Vous voyez ces deux personnages qui se regardent hein, l'un envers l'autre. On se rejoint totalement ici hein, au niveau des communications, au niveau des projets. Hein. Allez, on va les développer. Une très belle alliance ici. Une très très belle alliance. Alors, on va aller voir hein, de quoi ça vous va vous parler, hein, si un domaine plus précis va en ressortir, mais on a quelque chose d'extrêmement fécond ici, dans une association entre un homme et une femme, hein, ici. Hein. C'est bien présent. Allez, par rapport à cette femme, s'il vous plaît. Bah oui, oui, on parle de réussite, hein. On parle de grandes, grandes réussites de travail et d'efforts qui ont été fournis et qui seront fournis hein, par rapport à ceci, hein, par rapport à cette association ici. Hein. Ouais, il y a vraiment un grand travail fourni ici. Hein. Oui, bah, il y a des communications hein, de toute façon qui continuent à s'en suivre hein, ici hein, suite à cette rencontre. Hein. Des communications téléphoniques, des communications par mail. Enfin voilà, on est autant sur des communications orales qu'écrites, mais via tout support qui permet d'être en communication. Ben oui, il y a des accords hein, ici. Hein. Il y a une entente parfaite. Hein. Chacun sait. C'est amené ce qu'il y a besoin de d'être amené ici par
rapport à cette union ici, cette association, hein, donc ouais. Oui, on parle de changement, de transformation ici, hein, par rapport à vous messieurs, hein, par rapport à cet homme face à vous. On est totalement sur un nouveau cycle, on est sur une grande ère de changement et de transformation. Hein, c'est vraiment une grande réussite. Hein. Pour vous, mesdames, hein, vous pouvez être en train d'étudier ou de toute façon, par rapport à ceci, il y a de l'étude. Hein, il y a de l'étude. Hein, on approfondit également ses connaissances et puis de toute façon, chacun s'est amené de bonnes conciliations justement pour faire croître ce projet ici entre vous. D'accord? Ici, on construit main dans la main, hein, totalement. C'est vraiment... ouais. Vous avez la grande chance, hein, mesdames, avec vous. Hein. Grande chance. Hein. Ouais, j'ai des féminines ici, grâce à un travail fourni, grâce à des efforts fournis, sont comblées d'opportunités et de très belles... et de très belles opportunités, hein. Ben oui, hein. On voit que les communications, de toute façon qu'elles soient via différents supports ou en face à face, elles se passent parfaitement bien, hein. Une grande énergie de sérénité et de bien-être ici, hein. Donc ici pour le moment on peut être autant sur un contexte personnel qu'un contexte professionnel, etc., etc. Hein. Pour le moment, on me parle pas spécialement d'amour, mais ça peut être en amour. Hein. Voyez dans quel contexte cela résonnera avec vous. Mais on est sur le fait de partir sur une très très belle alliance ici, très belle alliance. Hein. On est sur la même longueur d'onde. On est en accord sur le fait, voilà, hein, de mettre un projet en place, on est sur un très très beau potentiel ici entre un homme et une femme, hein, donc c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Alors, on va approfondir votre colonne de la fécondité et des compromis. Ben oui, hein, totalement de nouveaux projets, hein, des projets qui démarrent de zéro, on est vraiment sur du potentiel, hein, donc... Ouais. Et on est sur du potentiel ici qui se met en place, un potentiel qui est sain, d'accord? Il n'y a pas d'entourloupe ici, hein? Pas du tout, hein? On est sur un excellent partenariat, une excellente fusion, hein? Il y a une concordance ici qui est parfaite. Par rapport à vous, messieurs, ces changements... Si on peut nous en donner un peu plus pour vous par rapport à ces changements. Changement sur un retour. Alors là, pour vous messieurs, il y a cette notion de grande transformation, de faire un retour. Alors soit c'est un retour sentimental que vous faites vers cette femme, soit c'est un retour par rapport à un projet précédent que vous n'avez pas pu mettre en place et que vous mettrez en place de toute façon ici, dans tous les cas, avec cette femme, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel ou autre. D'accord ? Il y a le retour de son potentiel qui se met en place ici, hein. Totalement, d'accord, hein, et pour les deux, pour cette association ici, entre cet homme et cette femme, on est sur un retour de potentiel extrêmement serein, extrêmement apaisant, c'est fluide, c'est extrêmement fluide, c'est reposant même, hein, j'ai pas d'énergie de stress, non, il n'y a pas... Là-dessus, c'est plutôt superbe, écoutez, hein, donc très très belle énergie, hein, oui, bah, il y a une notion d'union, hein, d'union, d'association, de partenariat, on s'engage ici, on s'engage, hein, on s'engage totalement, hein, on est totalement en accord, hein, on construit ici, hein, donc voilou, écoutez, pour ce petit message, un très très beau message, hein. Bon, par contre, attention, hein, en dos de deck, voilà, hein, il y aura de la jalousie, hein, forcément, voilà,
autour de vous, hein, par rapport à ce partenariat, par rapport à cet engagement. Mais ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement, la jalousie fait partie du lot quotidien. J'aimerais bien recouvrir cette énergie, j'ai rien demandé encore, cette énergie de la jalousie ici. Je vais rajouter une carte, ça tombe. Hop. Nickel. La jalousie n'a pas pouvoir, hein. ça passera au-dessus, hein. Les personnes n'auront pas de gain de cause, hein. Elles n'arriveront pas à leur but, hein. Donc voilà, hein. Il y a totalement un nouveau départ ici, avec de la reconnaissance, hein. Vraiment une belle reconnaissance ici, une très très belle victoire sur ce potentiel, et une très belle association ici, une très belle association, partenariat, union, hein. Donc pour vous, autant pour vous messieurs que vous mesdames, par rapport à cette association ici avec cet homme ou cette femme face à vous, que ce soit à titre sentimental, professionnel, familial, etc., etc., vous êtes vraiment sur un très très beau potentiel ici qui se met en place. C'est vraiment une magnifique énergie. Voilà, donc ça, de toute façon, ça va vous passer au-dessus, hein. Enfin voilà, la jalousie, écoutez, écoutez, elle va s'envoler comme elle est venue. Donc voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Un grand merci à toutes et tous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.